Mais vin renouvelé contrat là avec Seigneur. Ouais, vin renouvelé contrat avec. Ouais, vin renouvelé contrat avec mon Dieu. Et en présent. En présence, et à genoux, n'a pied, oh mon Dieu, oh, 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 tiene el honor de presentar en esta ocasión la cena conferencia maestra bajo el tema crisis haitiana, propuestas a potenciales de soluciones, con la participación especiales y animaciones con el presentador y comunicador Michael Miguel Ortiz. Como comentarista tenemos al doctor Joseph Cherwin, reverendo doctor Joseph Mason y el reverendo Dubon Viet Amin. La fecha de este evento será el 26 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Violeta, Avenida Rómulo Betancourt, número 483, Santo Domingo. En las donaciones abiertas están bajo cargo de...
La Victoire Radio TV République Dominicaine, chers internautes, chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis de partout, nous yon l'autre fois encore et très content pour nous capables de rejoindre nous, pour nous capables de continuer la série d'émissions que nous gagnons. Notre intérêt très spécial côté République Dominicaine, République d'Haïti, non pas dit en conflit, mais sous tension, sous problème migratoire. Donc, c'est vraiment très difficile. Dans l'époque, ça, c'est non seulement Mounio qui n'a pas gagné papier, il a déporté, mais il a déporté tout le monde qui gagne papier. Ça dépend. Si bien aimé, il n'y a pas qu'on parle, etc. Ça dépend des situations. Donc, les agents d'immigration, semblait parfois par contre lit tout et y a pas gain capacité et que ça fait migrants haïtiens en République Dominicaine a supporté en pile humiliation. Donc quand pour y renouveler que papier mon yo bon yo obligé passer des temps ou bien des nuits des jours dans dépôt immigration et pour permettre que yo retourner la caillou si papier yo normal. Son série de cas vraiment qui très très spécial. Donc quand ou pas checké yon mois sous visa ou yo déporté ou gagnent normalement ti katou qui par jour yo déporté ou parfois c'est long et compatriote la réaction que li fait yo déporté. Donc en série de bagaille qui vraiment extraordinaire. Donc dans ce sens ça nous pensons que organisation nationale internationale qui dans République Dominicaine communauté haïtienne bien entendu donc a fait des efforts pour être dans quelle mesure que capable bailler la main forte avec population avec compatriotes haïtiens qui a vivre en République Dominicaine. Nous connaît tout l'autre pays qui est haïtien mais République Dominicaine c'est une autre situation. Parce qu'ils sont capables de jamber par terre, ils sont capables de passer dans la mer, ils sont capables de passer dans l'avion, etc. Il y a des gens qui font des jours à entrer, des gens qui tout. Bon, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment complexes. Nous n'avons pas qu'à finir expliquer ce phénomène, parce que même sous temps de déporter un pile haïtien comme ça, la besoin est à la portée de tous les compatriotes à travers le monde, spécialement. Défenseur en droits humains pour connaître que République Dominicaine son commerce que a fait avec les Haïtiens parce que les mouna yo prendre dans immigration pour déporter li eh bien si normalement li rivé avec 10,000 12,000 la machine nan même yo ka retourner ensemble avec li ça c'est des sources qui confirmé. Donc gen l'autre problème encore. Si on pas retourner tout de suite, moun nan sou frontière que li al fait démarche li jwenn kòb et puis le retourner. Il passe tout chèk yo. Donc ça veut dire c'est un grand problème, gen sacré long complicité parce que quantité haïtien qui République Dominicaine Haïti k'ap rentré ici République Dominicaine, yo ap kouri pour misère, ap kouri pour insécurité, ap kouri pour problème social etc., économique. Donc il y a pas gain le choix moun ki pa ka monter avion ka loin donc c'est République Dominicaine. Donc c'est comme ça situation est vraiment compliquée et à travers les rues tout moun sous tension même si moun n'a gain papier ou pas li sous tension donc gain des moyens que yo fait pour yo capable circuler un petit gens plus normal moun ki capable yo prend Uber yo prend taxi yo prend l'autre compagnie mener distance à distance même si yo dépenser plus conseil au gain en protection mais gain des zones tout yo camper toute qualité machine y a pe fouiller yo fouiller bis yo fouiller ti auto etc., ti taxi yo fouiller yo machine qui gain vite tenté yo fouiller etc., pas géo tout net. Donc c'est un problème vraiment qui tragique mais ça que nous connaît République Dominicaine pour question pour quantité haïtien qui République Dominicaine tout partout. Même si yo ta gen politique pendant gouvernement ça là pour déporter haïtien aller Haïti yo pa jam fini chaque coup yo aller avec yon 10 et bien 20 25 30 monté donc son bagage vraiment extraordinaire. Donc phénomène haïtien République Dominicaine nan
pour ne pas dire toute classe là net, toute classe honnête, bien classe moyenne, etc., bien classe éducationnelle là, non pas capable du professionnel, etc., qui pas considéré même gens, mais c'est vraiment un bagage extraordinaire. C'est comme si son business, son commerce. Donc haïtien yo bon pour la police en pile, yo bon pour agent immigration yo, parce que chaque monde qui aucun bobay ou gagne 300 pesos. 300 pesos ça sou gagne par exemple 60 50 monde qui bay par jour, à multiplier li et puis ou après quantité combien c'est l'agent immigration fait. Et normalement, yon police tout qui était là kayli qui senti journée pas trop normal pour lui, l'a besoin quand même sortir à travers les rues pour lui dire madame né ou bien petite là, pas besoin paix m'a rentrer en bagay. Pas gar sorti de là depuis le joint n'importe haïtien, bon, ya. La journée n'importe les lié pour bel plaisir parce que l'air arrête ton monde si tout sous pas gain papier, son bagay tragique. Deux fois y arrêté moun nan yo tout voyer l'Haïti. S'il pas gain normalement possibilité de voir l'Haïti, il a besoin d'un bon petit cob pour être capable relâcher et après demain encore être capable prendre. Donc ça c'est tout le monde en situation de tension en pile dans la population et communauté haïtienne en République dominicaine non capable dit et spécialement moun yo qui plus a travaille dans la rue ou bien qui a travaille ca moun qui pas gain papier. Donc et problème construction yo presque pas gain moun encore parce que pas gain papier et agriculture presque pas gain moun etc. Donc c'est pas seulement haïtien qui sent situation gain tout des dominicains qui plaider pour situation ça qui dit non ça pas bon li pas normal côté y a besoin de moun pour yo travail et c'est ça qui fait en pile organisation bien plusieurs et même organisation parler pour normalement yo ta wè comment que yo capable venir avec une solution pour bagay ça. Donc gen moun ki wè solution puisque République d'Haïti li gagnen ambassade li et République dominicaine gagnen ambassade li Haïti, ça veut dire deux pays yo toujours fonctionner. Donc si y a fonctionner, faut que normalement t'a gain accord, faut que t'a amélioration dans niveau commerce. Donc yo di gain échange commerce, mais cependant c'est pour seulement République d'Haïti li résiste, il existait en pile comme a fait et ça que en pile monde dit dans situation ça pour normalement répliquer avec situation hein, donc yo t'a besoin faire main frontière. Donc en pile bagaille a parler. Donc en pile son dossier qui est important. Très très important. Donc c'est pour ça la Victoire Radio TV toujours gain possibilité pour voir dans quelle mesure on capable rencontrer avec des hommes d'affaires, des hommes entrepreneurs, des hommes travailleurs en droits humains, défenseurs droits humains. Donc concernant moment ça n'a content pour nous capable faire autant de dans bel programme ça dans belle vidéo ça yon défenseur en droits humains République dominicaine qui a travaillé avec population hein, c'est très très important talent comme ça n'a pas gagné pour que nous capables vraiment gagner peut-être non seulement lui-même mais nous capables gagner l'autre monde ensemble avec lui c'est entrepreneur Morlan Jean Wisner qui est représentant droits humains international des grandes Antilles de la Caraïbe. Nous capables gagner l'autre défenseur en droits humains tout qui a pris la parole dans le programme ça, c'est très très bien. Donc essayons mettons en état d'alerte, bonne écoute, bonne participation comme on toujours attendé normalement et débit vidéo nous. Donc gagner pas mal de organisations ici République dominicaine, communauté haïtienne nan, qui mettait des activités sous pied. Pour être dans quelle mesure qu'ils sont capables de pencher avec République dominicaine, avec République d'Haïti, qui a un problème migratoire et d'autres problèmes. En pile, hommes d'affaires, entrepreneurs, hommes politiques, eh bien, entend ça. Donc, ici, République dominicaine, après, dans quelle mesure qu'ils sont capables vraiment frapper pied à terre pour qui résultat qu'ils sont capables de porter. Donc, et concernant nous-mêmes, la Victoire Radio TV République dominicaine, nous toujours là à côté de nous-mêmes pour nous capables d'informer sur ce qui a passé, sur ce qui a fait. Donc, ou même seulement ou avez besoin, ensemble avec nous, partagez s'il vous plaît vidéo, capable like, capable abonner.
ou capable surtout commenter, donc ça fait nous grand plaisir et ça permet que nous avancer plus bien. Donc en attendant que toute bagaille rentre dans l'ordre pour nous capable gagner invité spécial nous ou bien invité spécial nous yo dans le moment ça n'a pas pour une petite pause et puis n'a retourner taler comme ça pendant ce temps ou même on invité mes amis de près de loin pour capable ensemble avec nous sous la victoire Radio TV République Dominicaine dans belle émission ça dans belle vidéo ça. Pas oublier non sous République Dominicaine et République d'Haïti dans occasion problème migratoire. L'Asociación de la Comunidad Migrante Dominicana, ACMDH, tiene el honor de presentar en esta ocasión la cena conferencia maestra bajo el tema Crisis Haitiana, propuestas a potenciales de solución. La participación especiales y animaciones con el presentador y comunicador Michael Miguel Ortiz. Como comentarista tenemos al doctor Joseph Chervin, reverendo doctor Joseph Mazón, y el reverendo Dubon Viet Amin. La fecha de este evento será el 26 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Violeta, Avenida Rómulo Betancourt, número 483, Santo Domingo. En las donaciones abiertas están bajo cargo de... I said.
La Victoire Radio TV, République Dominicaine, chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, amis de partout, comme ça t'est annoncé, donc nous bien contents dans le moment ça pour nous gagner ensemble avec nous des invités. Ce sont des représentants des organisations internationales. Donc, yo pral présenter yo, yon après l'autre. Son fierté pour nous adressez-nous avec vous-même et pour dire bienvenue sur La Victoire Radio TV. Monsieur Merlan. Monsieur Merlan, ou sur La Victoire Radio TV? Bonsoir avec tous les auditeurs, auditrices, Radio La Victoire et TV. Je salue spécialement donc pasteur Louis Raymond qui a porté un très exemple en République dominicaine. Donc on dit que nous prenons une station radio ça. Donc c'est une station qui est très très écoutée actuellement. Et la économie qui a changé visage tout haïtien qui est en ce domaine qui a souffert et qui est espoir pour tout aussi des leaders compétents. Donc, il est là pour capable aider à déposer avec l'ambassade qui représente nous dans notre pays. Très bien, ça, merci pour le sacrifice, pour accepter, pour capable ensemble avec nous et puis accompagner l'autre leader communauté qui est gagné ensemble avec vous. Ou en mesure pour capable d'internauter qui l'autre représentant ou gagné ensemble avec vous, HVA, sur La Victoire Radio TV. Bon, exactement, non pas moi, c'est Révérend Morlan Jaouister, c'est un entrepreneur. Et puis, moi, c'est représentant international, donc des grandes entités de la Caraïbe, donc en tant que militant de droits humains. Donc, moi, là, pour me capable de défendre le peuple haïtien, donc cap souffri, la grande entité de la Caraïbe, là, y compris la République Dominicaine. Et c'est pour ça que j'ai un docteur Tamo aussi, donc qui est ensemble avec nous. Donc, il souligne. N'a pas salué pasteur Camo, docteur Camo, et puis n'a pas dit bienvenue sur La Victoire Radio TV. L'a tout présenté avec internaute. Docteur Camo. Ok, docteur, vous allez parler, écoute-nous. Et monsieur Merlan, ou bien l'autre représentant ensemble avec vous, ou capable de présenter internautio, et puis la paix tout, dit ça, ligue pour lui dire. Allô? Allô, monsieur Merlan? À
allô, bon monsieur Molangene, Anne, il n'est pas présent. Et bon, m'a dit tout le monde bonsoir, bonsoir, et pasteur Jean. Et monsieur Molangene a invité moi pour me dépasser quelques informations. Bon, nous déjà connaissons, déjà, je vais vous présenter, nous déjà connaissons madame Patricia. Et des informations de voter pour nous, c'est un programme nous gagne demain si je veux. Et la place à voler est Doretta. Et nous gagnons, c'est un sénat magistral. Moi, je vais vous déjà pour nous faire, pour nous faire quelques discussions sur la crise qui gagne, ça qui gagne pour développer Haïti. Avec le 1er septembre, nous avons fait un grand conseil avec tout le pays et la Caraïbe là, et spécialement c'est de nous Guatemala qui se parle à la Seine, Centro Panaméricano, qui se parle à la Centro-Américaine, avec le député Junior Baez, qui a fait grand conseil pour les immigrants dans ce domaine, qui a vendredi, qui a 1er septembre à 8h30, dans Konani, qui est le 27 février. Et puis, maman, c'est nous qui invitons nous tous. C'est un grand nom qu'on a fait avec l'idée de la République dominicaine. Il y a un nouveau fonds de fédération, nous mettons sous pied, qui s'est fait de chat. Et nous avons fait toute l'idée. Et samedi à 10h, dans Bolivar, là, dans le local Massa, dans le local Palace, nous avons dans Bolivar, là, qui est en face du fonds d'appel. En face du fonds d'appel, là, et là, nous avons réuni samedi. Nous tous invités, nous profitons invités pour participer. Je juste ça me dégage vous me dites je dis ah et ma peut-être ce conseil tout m'a dit nous prie dans la rue parce qu'il y a plus de monde qui a pris ou libre qui a fait mal qui a fait immigration qui a tiré qui a braché qui a fait mon avis tout ce pas immigration vraiment faut nous faire plus de précautions pour nous décider car identifier si immigration vraie ou bien si non parce que en pile à vie à faire mais tout ce passé à ces immigration vraiment. C'est Dominique qui profite qu'a fait Haïtien mal. Tout nous commencer à découvrir ça qui a passé. Yo. Je dis Haïtien, yo, pas sorti sans besoin, pas fait chita dans la rue, dans le colmado, dans le bon bolet, fait quand, l'air son travail, marcher propre, pas sorti dans la rue à la salle. Moi qui dépose le document, sorti à certificat de bon VMS là, le travail là, reçu à mettre l'envalise nous. Parce que n'importe qui était mettre moi, il était mettre l'autre des versions. Et là, il y a moto quand même. C'est l'arrivé à INA, il a fait investigation, il a prévisé papier rapport légal. Mais je suis tout pour nous conscients, il y a un pile haïtien qui a faux document là, mais c'est à cause de ça qu'il fait obligé les gens haïtiens dans la rue. Il n'y a pas révisé papier dans la rue, il est obligé, mais non à INA. Bon, je sais celle qui nous a passé. Moi, je vais nous passer bonne nuit. Merci en pile, madame Patricia. Son plaisir pour nous t'étendre, infatigable. Et nous souhaitons que l'Éternel des armées capable d'accompagner dans tout bon travail qu'il a fait pour accompagner compatriotes haïtiens qui vivent en République dominicaine avec l'autre pays. Donc, avant d'aller, ou capable redit internautes nous encore trois activités que nous gagnons à faire qui yon de l'autre. Dis-nous ça encore, s'il vous plaît, et puis qui côté. Nous gagnons une activité et ma voix est le barou spécial dans la radio. Je me vois le barou, barou. Votre voix est le barou? Oui, vous voyez les orales, mais vous pouvez voir à l'écrit. Ok, ma voix image, ma voix invitation, plus ma voix vidéo de M. Jeff Soupea. Ok. Oui, allô? Oui, moi, je suis en coupure de courant, alors qui cause que la communication est tombée. Ah, ok. Madame Patricia, elle est allée, elle est déconnectée, c'est M. Merlan. Oui, c'est M. Volant. Ok, donc, ou t'es gagné ensemble avec on, l'autre représentant, pas vrai? Semblait lié à tout, non? Et Dr. Camo, il était allé, mais pratiquement, les communications sont tombées, hein? Mais... Ok, assurément, il retourne. Pasteur Camo, bonjour, bien bonsoir. Bonsoir. Son plaisir pour nous gagner sur la victoire Radio TV, où c'est un monde qui a défendu le peuple de la République dominicaine, spécialement la communauté haïtienne, où très rare pour la victoire Radio TV. Ça qui passe, docteur, comment est-ce?
avec bon Dieu nous la route, il y a un pile de travail et que vous connaissez nous pas camper, parfois nous sourisons un peu de l'autre côté, mais nous toujours à penser avec la voix faire, oui. Très bien ça. Et dit peuple là non, et comment ça y est là, organisation que vous représentez directement, parce que nous connaissons un pile d'organisations nationales et internationales, et organisation directement représentée, c'est qui est-ce lié, docteur? Bon, cher pasteur, comme nous soulignons là, il faut que nous continuions et féliciter pour le grand travail qu'on fait, parce que nous connaissons, on sait, une capacité, ça rappelle depuis en 2003, nous avons continué dans le Mercado, et on continue à appliquer, ça veut dire de 2003 à aujourd'hui, qui est en 19 l'année, on applique, ça c'est un bon travail. Assurer, c'était un plaisir, et pour me sentir que pour m'entrer sous l'ignorant, et nous profiter de salutation tout avec les citoyens non aînés, non religionnés, et ensemble avec Patricia et l'autre monde qui souligne là. Et il faut que nous connaissions tout nos acteurs avec le monde qui souligne là, c'est même organisation toujours. Nous travaillons avec diverses organisations, mais pas oublier nous avons une organisation qui est le FEMIDA. Et FEMIDA qui définit Fédération Évangélista Messager International Dominico Haïtiano et Los Refugiados, et qui répète en Haïti, c'est Fédération des Évangélistes Messager International. Et FEMIDA lui-même rêve, lui, c'est rêver le monde qui dans toute planète là, les cinq continents, et pour capable de chercher et pour nous voir si nous sommes capables de jouer une solution pour le pays noir. Qui est Haïti. Parce que même les non-déhors, côté nous, revenons se rencontrer avec tout le monde. Je ne connais pas si vous avez l'autre question encore avant de continuer. Oui, très bien. Nous sommes bien contents ensemble avec nous. Alors, comme nous avons M. Morlan, je pense que nous chaque nous disponibles dans le moment ça pour nous capables de dire peuple qui ça nous gagne pour nous comme information. M. Morlan, c'est entrepreneur, c'est défenseur des droits humains. Li représente yon organisation internationale ainsi que docteur Camo Wilson avec Patricia qui saute parler, donc ce sont des cadres haïtiens. Donc monsieur Morlan wapé dit pour internautio et c'est comment qui genre de observation n'entend ça que vous fait qui gain plus importance pour communauté haïtienne dans République Dominicaine. Monsieur Morlan. Monsieur Morlan, elle est déplacée. Et docteur Wilson. Docteur Camo. Oui, mais là, mais là. Oh, ok, très non, bien. Là. Et qui ça qui plus préoccupé ou dans le moment ça là pour République Dominicaine avec Haïti, étant que défenseur en droits humains? Question assez pour moi ou pour monsieur Morlan? Oui, c'est pour nous tous les deux, mais M. Morlan pas là, non? Il là. Oui, M. Morlan. Si M. Morlan pas là, on est capable de répondre, oui? M. Morlan là. Non, il n'est pas là, il n'est pas monté. Ou bien il y a un petit problème quand même, de communication. Ça veut dire un problème technique parce que je t'en. Ah, ok, très bien. Eh bien, répondre une question, en ligne, elle n'est pas voulu répondre, ou même au cas répondre, c'est qui ça qui plus préoccupe étant que défenseur en droits humains dans le moment ça? Mais, montez-nous, monsieur Morlan, parlez-nous, monsieur Morlan. Monsieur Morlan, il y a ouvert le téléphone, il est sorti, ou qu'a fait tu parler pour lui, il fait que sorte dans le travail. Il est capable de sortir. Docteur Camo. Je vous donne bien parce que moi copier mon là, c'est vous-même qui va copier lui parce que c'est pas copier, mais moi copier. Regardez pour qui ça passe, qui technique, copier ou pas copier vous-même. Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle a parlé? Oui, elle a parlé là, elle copie une grande très claire, c'est pas attendez, regardez pour ça passe, en déligne pour là. Ok, bon, moi si je m'attendais directement. Parce que je m'attendais bien, elle parlait. Ah, je m'attendais moi-même, je m'attendais. Eh bien, continuez pour lui, non? Ou mettre continuer et puis après, continuer avec lui.
Monsieur Molan, qui t'aime parler, moi, passer à Badando. Monsieur Molan, qui t'aime parler, qu'on est après, ça va prendre. Ok, passez le pas copier lui-même. Oui, citoyen et chef pasteur, réponds question pour nous encore, parce que non, type. Réponds question pour nous encore, pour nous continuer. Et tant que défenseur en droits humains, République dominicaine, Haïti, il y a un problème. Donc, qui est-ce qui est plus préoccupé dans la situation actuelle pour deux pays? Actuellement, côté Noyera, nous t'as supposé mettre nous ensemble pour nous faire chaîne solidarité pour nous faire chaîne union parce que. Les nous venons garder et comme matin moi t'a fait une intervention moi te dit il y a trois points qui est important trois côtés pour nous parler sous lui. Les nous prend pays Chili et qui gagne déportation c'est pays gagne haïtien après ça nous river sous République dominicaine et qui gagne plus haïtien établi là-dedans jodi a gon problème immigration. Les nous venons prendre trois points ça pour nous mettre en Haïti, côté tout le monde a caché pour être en question gang, insécurité en Haïti, tout le monde a caché, tout le monde a problème, République Dominicaine, la majorité du monde peut prendre la rue, il y a une question immigration. Immigration, cap maltraité, ça veut dire immigration n'a pas fait comme la loi Mandel. Ça veut dire qu'il y a un créatif, même pour les gens qui ont un document qui est légal dans le pays, ou un créatif avec lui parce qu'il n'est pas fait comme la loi. Les gens qui marchent, ou bien c'est pas vrai, immigration qui a rencontré, ou qui a joué les gens qui ont les armes, les gens qui ont les manchettes, les gens qui ont fait tout le bagage parce que l'immigration n'a pas aucun contrôle dans la République dominicaine. Dans le moment, ça, nous-mêmes, c'est fait une chaîne solidarité pour nous avoir qui. Qui ça autorité en Haïti ou vle di et puis pour nous mêmes pour nous être capable de mettre tête non ensemble pour nous qui ça n'a fait et n'a lancé appel là tout bail avec tout confrère c'est nous yo haïtien qui vivent surtout dans République dominicaine ça qui gagne un document légal nan men yo tel que ça qui gagne une résidence qui réside dans pays a. Ça ou soit qui gen origine nationalité haïtien mais qui gen yon cédola yon document dominicain qui gen tout droit dans pays ya nous mande pour yo tout pour nous uni nous pour nous font chaîne solidarité et pour nous capable sauver l'autre sa yo et dans moment ça qui très difficile pour moi même dans moment ça ne place pas moi senti bagaille là abdominem. Et nous vivons dans un moment côté n'a parlé là, pas gagne un monde sous la terre qui gagne 100 haïtiens n'en venu pour le dire la vie bien à l'aise pour pas comprendre que ça qui a passé là dans le monde et n'a bouleversé parce que haïtien non seulement République dominicaine, tout le monde dans tout côté haïtien gon problème mal à l'aise. Assurez nous senti nous content pour nos radio TV. Et on a profité de tout le monde en collant ensemble avec Radio TV et pour le capable faire voir nous et marcher et sinon tout mettre ensemble nous passer Chanel ça la vision plus gros Chanel la plus avancée nous souhaiter tout frère nous yo tout amis nous yo et capable connecter avec nous tout le monde connaît yo les noms alias bon pour tout bon parce que tout ça bon yo nous toujours remet participer là dans yo. Mais les gens qui veulent joindre nous sur notre réseau, soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit sur Facebook, ils sont capables d'essayer de faire ça. Jean Wilson avec Mette Jean-Wariel Camo Bordeaux-Prince écrit Camo Deriel de pour faire ça, pour capable de rencontrer avec nous, pour nous capables de mettre les mains ensemble et pour nous voir qui côté nous pour aller, qui ça a fait avec le pays. Parce que les représentants, le travail nous gagne ambassadeur ici de République dominicaine représentant nous pas vle prendre responsabilité en main comme si nous dit chargé d'affaires consul et qui dans ambassade là yo presque paix yo pas compte qui travail yo vinn faire parce que travail ça ou ba nous faire c'est pas lui même nos besoins là c'est pour ambassade d'apprendre pour chita directeur immigration
pour connaître qui ça a fait yo, qui ça a gagné dans pays à président pays, mais travail ça pas fait. Nous profiter remercier tout le monde, nous pas connaître si on l'autre monde qui voulait poser moi l'autre question. Très bien ça docteur Camo, donc c'est son plaisir pour nous te gagner sur la victoire Radio TV République Dominicaine. Nous pensons nous gagner en pile pour dire c'est à une autre émission spécialement pour nous faire pour vous. Est-ce que vous êtes disponible? Nous connaissons nous travaillons sur un pile réseau pas gain temps mais n'a font préparation puis n'a ouais qui gens nous capable faire ça parce que tout ça qui bon yo nous voulons participer là-dedans parce que nous, c'est bon pour tout le monde. Très bien ça. Ou qu'on a gagné plusieurs activités, organisations, vous mettez sous pied, surtout pour semaine ça, rentrer dans l'autre semaine là, est-ce que, ou comment ouais est activité ça, ou peut participer? Nous gagné plusieurs activités pour semaine là, nous connaissons et depuis des messieurs dans zone 6 après-midi on a bien messieurs Théolé qui ont grand activité dans organisation la dirige très longtemps donc on est sur des cap bataille très longtemps depuis le palais et tout le monde doit faire possibilité qui capable pour nous capable ni à clip pour nous voir comment nous capable permettre et programme ça les gagnant et capable sortir très bien et c'est comme ça et nous connaît tout et messieurs, dames, yo, il y a une organisation, vous voulez mettre sous pied, qui s'est fait au chat. Et ça veut dire chaque jour, là, on a une activité samedi, on a sous pied, nous. Et nous connaissons encore tout. Et premier septembre encore, en parlant de Patricia et monsieur Morin, et moi-même et plusieurs autres monde, qui a organisé un programme ensemble avec deux députés qui ont ici dans la République Dominicaine, programme international, nous croyons tout le monde invité pour nous collaborer, pour nous voir comment travailler sur le capable de faire. Très bien, ça c'est un plaisir et monsieur docteur Camo, pasteur Camo, nous espérons que le travail a pu continuer ici en République Dominicaine. Donc c'est un plaisir et bye bye à la prochaine. Est-ce qu'on a un dernier mot? Et dernier mot pas moins, c'est pasteur Mo, KMFM, et bataille la papiti, bataille la c'est devanier. Et avec bon Dieu, bon côté nous, Jean le passé, Jean lié, bon Dieu avec nous, n'a pas gagné bataille là. Moi, j'espère continuer avec émission radio, même l'elle était petit, mais bon Dieu a fait le grandi, bon Dieu a voué chez mes sous. Dernièrement, c'est félicitations pour même, pour Jean Aboumé, Joab Abkembe, et me saluer toute famille autour, avec tout le monde, l'église autour, et nous profiter en salutation pour toute. Pour tout le monde qui est branché sur YouTube, qui est capable d'essayer d'écouter, nous avons plein de monde. Et très prochainement, nous voulons faire participer et la dernière. Nous avons Pasteur Lindor, qui est un grand candidat qui a vécu au Canada, mais qui pourrait pour capable collaborer. Et nous avons un pile l'autre candidat qui voulait mettre main. Nous avons Jean Thomas et tout le monde a aussi monde qui a habilité. Nous avons Daniel Estafa. Tout le monde sait que c'est mon capacité, nous avons il riche et miracle il riche. Tout le monde sait que c'est mon qui dit à mettre main dans le pays d'Haïti. Nous avons Sonner qui est candidat. Nous avons un paquet de monde candidat et la trier et Ayan qui est candidat. Et tout le monde sait que nous avons dit comme ça, on mette main dans la patte là, on entre dans Radio TV, on fait seul travail et la plupart, pile l'autre candidat qui n'a pas cité et qui n'a pas bataille là. Nous espérons que nous allons marcher vers l'avant. Merci en pile. Merci en pile, c'est un plaisir. Donc à la prochaine, chers internautes, nous avons une vieille petite pause. Et puis assurément, nous allons retourner avec M. Morland, tal et comme ça. Merci en pile. Mes amis, assez. On veut se changer. Nous sommes dans notre pays. Haïti peut changer sans moi-même. Sans moi-même. On prend conscience. Assez! Oui,
La victoire Radio TV République Dominicaine, chers internautes, comme nous t'ai déjà annoncé, nous de retour avec monsieur entrepreneur Morlan qui parle vraiment lui-même et prononcé sur la victoire Radio TV. Donc nous souhaitons lui une autre fois bienvenue monsieur Morlan. Merci à pile pasteur Rimo. Est-ce que malgré la communication qui mal passée, je vais retrouver moi pour être capable de parler avec le peuple haïtien qui est un peu partout à travers le monde et spécialement du côté de la République dominicaine qui a souffert, qui a plus d'espoir. Donc, sur ensemble des leaders qui voulaient prendre disposition pour être capable de travailler pour nous, comment être capable de créer une amélioration. Situation que nous avons traversée actuellement, tout le monde connaît. Tout haïtien qui a vécu au Tigonel, ni ça qui gagne papier, la meilleure guerre qui gagne visa, la meilleure cap souffre parce que immigration cap travaille au niveau des frontières, yo pas travaille bien de concert avec immigration de la capitale là cap fait des ordres là fait déportation. Yo n'a pas qui était très mal et nous a demandé pour que chargé d'affaires prend responsabilité de concert avec consul yo. Pour nous accentuer sur ça. Parce que chaque Haïtien qui a sorti Haïti, qui a rentré par bon ici, il a 20 dollars américains à payer. 20 dollars américains à payer, il met un saut. Il met un saut immigration sous passeport. Et puis il met l'anti-rectangle, il met 60 jours. Cela veut dire que le monde qui est rentré par bon ici, il a accès à 60 jours. Pour les capables de fonctionner dans le pays, après 60 jours, ils sont capables d'aller pour retourner, pour aller checker le passeport, pour checker sortie. L'immigration, par rapport au site de la capitale, lui-même, depuis le jeune monde, parfois, le monde est arrivé à peine rentré. Ils prennent, ils ne peuvent même vérifier le passeport, ils ont un paquet. Et le camion, il y a la guerre dans le dépôt, après ça, ils passent à la déportation. Nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, depuis nos recours de cas, nous avons toujours fait tout le monde possible de nous intervenir. Même si Mme Patricia n'a pas dormi, il n'a pas dormi dans les yeux. Il n'a pas eu autant de repos. Nous avons eu un pile d'autres leaders encore. Il n'a pas eu dormi dans les yeux parce que toute la journée, ces problèmes, nous avons rencontré. Eh bien, qui ça qui passe? Nous avons besoin pour que l'État haïtien, responsable haïtien, pas bon aussi, pour prendre responsabilité, pour aller chita avec. Directement, le directeur immigration par rapport ici là pour demander comment ça se fait parce que si l'immigration à la frontière, ben, nous avons 60 jours pour passer dans un pays à travers 20 dollars américains qui ont payé, pour qu'ils aient fait depuis 20-25 jours, s'ils n'ont pas subi l'autre injustice avant date, chaque 20-25 jours, ils ont oublié d'aller checker le passeport. Pour checker sorti, pour retourner, checker rentrer encore, pour être capable de fonctionner. Maintenant, si toutefois l'immigration, au niveau des lignes frontalières, ils ont dit que mon ami doit passer 60 jours. Pour qui raison que fait l'immigration rencontrer par rapport au site de la capitale là, ou bien n'importe qui côté de pays, il a fait justice, côté qu'ils ont saisi, ils ont pris le passeport pour ça, ils ont arrêté mon nom. Parce que mon n'a pas checké passeport avant 25 à 30 jours. Ça n'a pas été fait. Parce que si l'immigration la frontière, bah, date, il dit que c'est 60 jours, l'immigration dans la capitale là, qui a fait déportation, pas qu'après mon dans 25 jours. Ça n'a pas fait ça, c'est une violation. Il y a un autre bagage encore qui est extrêmement important. L'immigration n'est pas supposée, après entrer en Dakaïmoun, après 6 heures du soir, ni avant 6 heures du matin. L'immigration pas gen droit à arrêter ti moun a prendre ti moun a déporter immigration pas gen droit à arrêter yon femme enceinte pour déporter femme enceinte là depuis personnel a gagné passé 55 à 60 ans ou pas gen droit prendre pour déporter donc tout ça c'est violation droits humains que yoyé nous même nous essayons faire tout effort nous toujours camper à la défense de yon même parce que c'est droit nous pour nous servir peuple haïtien. Mais nous avons une responsabilité au niveau de l'ambassade haïtienne, hein, côté que chargé d'affaires, ensemble avec l'autre camarade qui a travaillé pour la défense haïtienne, ils n'ont pas jamais intervenu sur ça. Et c'est une raison qui fait que toute la rue a subi une série d'actions malhonnêtes,
côté qui a tué Haïtien n'importe comment. Il fait des potes ça qui voulait. Pas jamais qu'il y a un monde qui parle. Dans le moment, côté qui m'a parlé ensemble avec vous là, je m'a demandé pour que le gouvernement haïtien prenne responsabilité. Je m'a demandé nous, toute l'idée qui est association, qui est organisation qui est dans la République dominicaine, m'a parlé de l'idée morale qui est très hospitalier, le monde et le peuple là, pour elle. Je m'a demandé pour nous, tous capables de lever campé, pour nous faire une seule voix, pour nous chercher réunir avec l'ambassadeur, pour nous capables de demander exactement qui ça qu'il peut faire avec le peuple haïtien qui a souffert en d'un pays qui n'a pas jamais parlé pour intervenir, pour dire qui ça qu'il a fait pour le peuple là. Parce que le problème, ce n'est pas seulement un problème. Vous pouvez le faire quatre et des malogues. Le peuple haïtien, oui, il est extrêmement important. Parce qu'à travers quatre des malogues, le monde a une possibilité, côté quelqu'un pas privé, de faire passeport. Mais l'injustice qu'il a fait là, pour qui raison fait qu'il n'y a pas essayé d'entrer en communication ensemble avec le directeur immigration, il n'y a pas entré en contact avec le gouvernement dominicain pour être capable d'accentuer sur ça, pour demander qui raison qui fait et qu'il y a maltraité Haïtien comme ça, et tandis que l'ambassade par ailleurs fonctionne en Haïti, et jusqu'à présent, nous toujours très très bien traité tout Dominicain qui la caille par nous. Donc ça aussi des points qui sont extrêmement importants, qu'il a besoin pour que responsable qui a attendu nous capable de prononcer sur ça, parce que si on pas prononcer sur ça, on va chercher à créer moyen pour nous faire une réunion ensemble avec eux. Si on pas prendre responsabilité face à un peuple qui a souffert en deux pays, on va obligé de dégager de nous, mettre une manifestation dehors, on va aller à bas tout. Donc pour que l'État pays soit capable de banner un monde qui est capable, qui est en mesure pour capable de défendre les droits haïtiens, parce que nous-mêmes, pour qu'on parle, nous, les gens allaient faire aussi des efforts, ils m'ont dit, nous, côté monde qui est responsable, nous, côté ambassadeur pays, nous, côté chargé d'affaires, nous, chargé, c'est rôle n'a pas, c'est rôle chargé d'affaires pays, c'est rôle consul, et qui ne voit pas nous seulement passer, ils respectent nous, ils ont nos possibilités pour que ils ont aidé avec haïtiens. Il a fait justice qui est légale, il y a pris le mal, mais l'autre, ça qui n'est pas légal, il a traité n'importe comment, il a tué, il a braché avec manchette, il a mis en prison, il a maltraité. C'est qui ça, le gouvernement, pas nous a décidé. Monsieur Morland. Disons, si on n'a pas pour responsabilité, si on n'a pas pour responsabilité face avec ça, on a dégagé nous tous les membres, leaders, responsables de notre pays, d'après le décret de manifestation de l'ambassade là. L'enjeu qui a venu là, pour nous, capable de dire exactement pour qui ils ont fait, ils ont parlé pour responsabilité. Monsieur Morland, vous avez écouté? Très bien, pasteur. Ok. Et est-ce que l'organisation, ils ont déjà fait une démarche auprès de l'ambassade là, côté, ils ont gagné une lettre, ils ont bagaille officiel, et déjà, et que l'ambassade là, ils ont une réponse. Comment ça est? L'ambassade là, malgré nous essayer de chiter ensemble avec eux, nous faisons plusieurs réunions, nous chiter avec eux, ils ont des chacun de nous. Ils ont joué un système politique. Côté qu'ils ont demandé pour nous aller créer, pour toute l'idée, organisation, association, réunis-nous ensemble pour nous capables de faire une seule voix, pour nous capables de gagner un seul représentant des leaders. Pour être capable de signer un contrat avec eux pour n'importe ça que nous avons besoin, pour que c'est eux leader qui est capable de représenter nous, qui pour capable en mesure pour partager avec nous-mêmes pour ça que nous avons besoin pour nous venir. Et bagarre, c'est pas comme ça qu'ils sont liés. C'est pas comme ça qu'ils sont liés. C'est une façon qu'ils ont fait pour mettre nos chita, pour eux-mêmes régler l'affaire. Et nous-mêmes nous disons non. Peuple haïtien dit non. Je ne dis pas pour monter sur nos grands mondes pour descendre sur notre monde encore. Parce que nous tous comprenons, nous tous ouais, nous tous attendons, nous tous sentis. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Pas pour que j'aime aucun papier qui signe avec l'ambassade là, qui t'a pour dire qu'il y a une responsabilité pour nous servir. Et nous même, bon côté par nous demandons, et le docteur Camo, bon côté par nous aussi, il était fait intervention, il demandait pour que, puisque chaque côté nous allait, dans le défaut haïtien, il m'a dit quelle autorisation que nous gagnons. Est-ce que nous gagnons une autorisation que l'ambassade nous signe par nous comme un document qui met nous qui bat nos possibilités pour que nous fassions le travail que nous faisons? Non, nous ne gagnons pas. Et lorsque nous ne gagnons pas, nous disons non,
et que des bagages pas capable pour répondre nous, des bagages pas capable partager avec nous comme information, c'est pour nous retrouver nous et regrouper nous avec et chargé d'affaires pays a et c'est à partir des déclarations et documents que nous avons et capable mettre nous acquis des droits légaux pour nous capable défendre donc les causes injustes que nous défendons. Monsieur Morland, ça veut dire gagner yon contrainte nan problème et ambassade là ensemble avec problème et organisation qui travaille sur des on capable dire des niveaux différents organisation qui travaille en bord et puis ambassade là lui-même la travaille en l'autre bord alors dans sens ça si gain contrainte ça quantité organisation qui habite chita ambassade là ensemble avec ambassadeur avec représentant yo eh bien c'est pour multiplier force faire lettre etc. ouais comment que yo capable de traiter question comment on est ça pratiquement c'est ça qu'il t'a choisi étant donné qu'il a demandé pour que nous t'es capable de créer moyen pour nous faire élection pour nous capable choisir un leader responsable pour nous nommer la tête association leader yo c'est une des raisons qui fait que nous arrivons à travailler ensemble nous mettons un comité sous pied et nous formons une fédération une confédération donc qui est FEDOCHA. Donc FEDOCHA, ça lui-même, et nous avons le travail, nous avons quelques mois de cela, côté que nous en fonction, et le travail pour nous prochainement, côté que nous capable de créer moyen pour faire élection, pour nous capable de nommer le président exactement, pour nous capable de représenter l'ambassade de la Prochita avec nous, mais en attendant, et que ça pour qu'on fait, et Dr. Kamo, ainsi que d'autres, l'idée qu'on essaye de tenter faire ça déjà sous des modes par eux et puis il déjà qu'on est que c'est une navette qui est extrêmement difficile donc pour nous capable réaliser une tâche supposé réaliser eh bien entre temps ils nous achètent à eux-mêmes et puis eux-mêmes c'est à faire par eux qui a réglé il a touché perdu et mieux il a fait tout ça qu'il a bien pour faire il pas jamais pas l'importance qu'il a supposé pas non et c'est une des raisons que fait le moment côté ma parole avec vous là samedi cap 27 le matin nous gagnons une rencontre d'affaire avec toute l'idée yo non Simon Bolivar et le Gascoué le côté que nous pas réunis au niveau des comités à face avec toute notre idée pour nous capable arranger nous pour nous être capable créer moyen pour nous capable faire élection que l'a bien pour faire pour nous capable mettre un président normal sous demande de ambassadeur yo même lorsque c'est parole nous connaît qu'il y a bail c'est pour bagarre qu'il y a pas l'entrée la logique là vraiment parce que yo même si pouvoir pas agir pour régler affaire par eux c'est pas pouvoir qu'il y a bail pour faciliter bonne vie et bon marche peuple haïtien République dominicaine. Monsieur Morland, est-ce qu'on capable estimer qui quantité organisation qui participait dans fédération ça? À présent, nous déjà gagné une quantité qui commencer inscrit et au fur et à mesure il continue à inscrit nous gagnons des groupes et des WhatsApp que nous formons côté pile là donc qui prend la parole et au fur et à mesure il a fini après un bon comment faire une bonne estimation qui quantité exactement qu'il y a qui déjà inscrit mais liste était ouverte normalement pour nous continuer faire inscription pour toutes les leaders conséquents qui croient et que ils ont responsabilité en tant que yon berger kap mené brebis bon Dieu yo la prétendant yo pour que kap continue de venir inscrit dans programme que nous gagnons pour l'élection pour le fait pour qu'on fasse une élection libre et de démocrate pour chaque monde capable de sentir qu'il est satisfait après ça pour pas regret. Très bien ça parce que moi connais République dominicaine gagne en pile organisation et haïtienne qui là depuis longtemps cap milité donc donc ça veut dire dans sens ça là vraiment bon on pensait que ambassade là c'est déjà une possibilité pour yo capable rencontrer avec peuple là parler avec peuple là parler bien de organisation ça yo. Mais est-ce que toute organisation qui a participé dans la fédération hein, c'est deux organisations qui est corporée, ça veut dire qui reconnaît par l'État, qui gagne droit légal ou bien n'importe organisation. Comment ça est? Bon, pratiquement, gagné qui déjà gagné tout document légal,
mais gagner tout. Il n'y a pas de passé pour être capable de gagner un document légal, mais travailler à faire légal. Yes. Puisque le travail qu'il a fait légal, il y a des droits au vote aussi, il y a des droits à la revendication aussi. Et tout le monde qui a l'administration et qui a fonctionné, il commence tout petit, c'est au fur et à mesure, côté qu'il a bien pour être capable de développer. Disons, pour faire des documents, et que ça qui gagne, gagne, ça qui pourra gagner, donc pas gagner, mais pas aucun problème, une fois que nous tous mettons tête ensemble, ça qui pourra gagner les documents, là capable aider pour être capable de gagner papier normal pour gagner renseigner pour capable fonctionner légalement même avec tout l'autre ça qu'il a gagné déjà. Très bien ça monsieur Morland, la Victoire Radio TV souhaitait que nous capable joindre et ont tête ensemble avec ambassade là qui c'est leader principal nous représentant nous pour que nous capable travailler ensemble parce que vraiment compatriotes haïtiens République Dominicaine a souffri amèrement. Donc, on t'a parlé tout à l'heure des activités que nous avons fait le 27 dans la matinée. Bien, l'autre activité, tout, parler internautio, est-ce que c'est même objectif toute activité ça y a gain, ou bien chaque y a gain, y a objectif principal? Tout ça que nous avons à faire, qui a à voir avec l'idée, et que son seul travail à lier. Très bien. Il doit gagner l'idée qui a sorti très très loin. Qui n'est pas capable de venir, gagner tout, qui n'est pas gagné invitation par faute de communication, mais nous voyons information, yo, publicité yo, sur les zones, nous voyons invitation aussi dans tout le groupe, côté que nous demandons pour que des leaders compétents qui font un travail exemplaire en faveur du peuple haïtien, nous demandons côté qu'ils sont capables. Toujours venir réunir ensemble avec nous. Par exemple, nous gagnons demain soir, nous avons un Sénat et que Théolé a fait. Et toutes ces possibilités qu'on a créées pour nous capables de chiter avec des leaders, même si nous avons un pilote étranger qui est là aussi avec nous. Et Radio La Victoire TV invité. Parce que c'est le peuple haïtien et que nous y sommes à travers le monde, et spécialement en République Dominicaine. Ou déjà qu'on est pas capable là. Et merci. Puis, nous gagnons. Et ensemble des leaders, ça y est, qui ont pu participer, il y a des possibilités côté qui sont capables d'intervenir. Si vous gagnez quelques mots et à faire passer, il y a capable de parler ensemble avec nous. Vous permettez que nous prenions note de tout ça, afin que nous soyons capables de reconnaître ça, que nous puissions reconnaître davantage. Et nous avons toujours demandé une union entre nous, tous les leaders responsables. Donc, pour que nous tous soyons capables de faire ensemble, comme ça doit. Et samedi matin, 27 à 10h du matin, au niveau des Fédocha, nous avons prétendu toutes les leaders conséquents. Même si nous gagnons une liste qui était en fait à chaque leader qui a gagné pour participer, côté que chaque grain leader qui fait partie du comité Fédocha, voyez une quantité de monde, mais nous avons quitté possibilité aussi si il y a quelques autres leaders qui ne sont pas pour. Et dans liste là qui t'a voulu participer, n'a bien pour nous voir les clans bayo et n'a voyé et normalement adresse là bayo sur GPS afin que y a capable aller pour présenter normalement pour capable ben donner ya sio ça que y a pas duré avec responsabilité yo pour peuple y a géré la zone côté que yo hier n'a pas tout donné ça yo puis n'a demandé ça qu'on a besoin puis n'a avec toutes données ça que n'a vienne yo et puis qu'on a la capable connait qui ça a besoin dans zone pour n'a capable de servir comme ça doit. Très bien, monsieur Morland, Jean Wisner, ou gain en pile temps République Dominicaine ou bien dans l'autre pays depuis que vous travaillez tant que défenseur droits humains, est-ce que vous avez satisfaction dans travail ou bien comment ça est dit internaute? Moi j'ai en pile satisfaction dans travail moi parce que devoir pas moi c'est pour me servir peuple haïtien. Moi investi en pile en moi-même, me perdu nuit, me perdu corps, me perdu en pile bagage que me ta do gagner économiser, mais pas faire rien qui mal parce que me connaissais semer m'a semer pour peuple rien capable jeune pour bénéficier. Moi gagné environ 23 ans en République Dominicaine et moi voyager dans plusieurs autres pays autour. Donc m'a fait un travail excellent,
Mais parmi tout côté qui est passé, je suis capable de dire que la République dominicaine, c'est un côté qui a nos dégoûts. Il retire tout ça qui est la bouche de comme haïtien. Et c'est, imaginons, nous-mêmes, haïtiens, c'est là qui est près côté qui nous prend toutes les ressources qui nous ont fait. Nous pouvons venir par bon ici, nous venons travailler ici, nous venons reconstruire le pays, nous venons faire tout aussi des bagailles. Malgré ça, et que tu as toute valeur nécessaire, au lieu que tu as une valeur par rapport avec les dirigeants responsables qui nous pas gagné, qui représentent nous, et bien, ils sous-estiment nous, ils humilient nous, ils ont fait passer en pile, mais malgré tout, nous avons espoir toujours, parce que ma travail, docteur Kamop travaille, madame Patricia travaille, Théolé travaille, madame Vania, vice-présidente. Et fellowship travail, je suis au Sénat à travail, et même si pendant ce temps, je souhaite le condoléances tout, parce que dans le moment, quand il y a pile travail pour le faire, il y a un frère qui mourit, ça touche nous en pile, mais en tout cas, j'espère que le travail a continué à faire quand même. Nous gagnons un paquet d'autres encore, qui a pile espoir, et que le gouvernement est capable de tendre nous, côté où il y a là, et puis on prend une disposition à soi même, pour rentrer dans la chambre. Pour prier, pour avoir des bonnes de direction avec le peuple là. Parce que nous-mêmes, nous avons désert, nous avons avancé et nous avons travaillé malgré souffrance, difficulté, regret, soif. Mais bateau Moïse là, nous avons frappé au chien, nous avons besoin de l'eau pour nous boire et nous avons continué à marcher parce qu'il faut que nous rentrions Cadaran, qui est Cadaran pour nous-mêmes de représenter la nouvelle Haïti. Est-ce que c'est M. Oxima qui a frère les mourir, M. Morland? Oui, c'est Audley Oxeda. Donc, c'est président provisoire. Très bien, ça. Dans l'occasion, ça, la Victoire Radio TV a présenté condoléances avec M. Oxima et Didier Zéro, qui sont vibrant homme, qui est toujours présent. Donc, son homme extraordinaire. Donc, condoléances. Et puis, merci pour l'information, ça. Nous ne connaissons pas ça. Nous allons connecter avec M. Oxima Audley. Pour nous capables de plus d'informations, parce que c'est ça la Victoire Radio TV fait. Côté Mounio en joie, nous ensemble avec vous, et côté en peine, nous ensemble avec vous. Donc, M. Morland, assurément, vous vivez la République Dominicaine, vous vivez l'autre pays, et pays d'Haïti, donc c'est pays natal, et que vous voyez comment peuple a souffrir. Donc, bayons recommandation, non, avec quantité d'idées qui gagnent dans tout pays. Et dans le monde qui c'est haïtien, sa candidat, sa entrepreneur, technicien, homme de capacité que nous gagnons, qui fait expérience de travail dans l'autre pays, et puis pays nous-mêmes les États, ça, qui recommandation qu'a gain pour yo tout ensemble, qui ça le tapier? Recommandation que me gagne pour toute l'idée, tout peuple haïtien qui a écouté nous. Dans tout le monde là. A nous dégager de l'arranger nous. Moment arrivé, trompette la pral sonner. Nous tous, quels à côté que nous avons pour nous retourner la caille. Là pour retourner la caille. A nous arranger nous. Économiser ça que nous gagnons, pas continuer à dépenser mal dans l'autre pays yo, parce que nous tellement mal gardés. Il y a tellement gagné problème avec nous-mêmes et gagné pile dans l'autre pays tout qui t'a aimé ouais Haïti retourner reprendre image qu'elle t'a gagné déjà gagné pays qui a lutté contre nous là par exemple là pour États-Unis pour Canada pour la France il a lutté contre nous à travers richesse que nous connaît que nous gagné à travers économie monde là donc on est qui repose sur Haïti. Il y a pression qui est capable de déstabiliser nous complètement pour que tout Haïtien soit capable de quitter Haïti pour qu'il soit capable de rentrer pour faire tout ça que vous voulez, pour qu'il soit capable de accaparer toute richesse, nous, toute bagaille que nous gagnons dans la caille. Nous-mêmes, nous disons non. Fedocha dit non. Nous ne pas accepter et ne pas prendre la main. Moi conseille tout haïtien qu'elle soit côté que nous y à travers monde là reconnaître comme quoi que c'est dans désert à nous y n'a fait route pour nous rentrer dans nouvelle Haïti là. M'espérer que n'a comprendre, m'espérer n'a comprendre, m'espérer n'a mettre tête nous ensemble à nous retourner la caille.
Parce que la caille, c'est la caille, et la caille, quand on est là, même lorsqu'on est dans un mauvais état, ou gens qui ont dit, mais ils connaissent la qualité avec la richesse qu'il y a la caille, ils ont même pas gagné. C'est pour ça qu'ils ont envie contre nous-mêmes, et bien, à nous retourner la caille, à nous reconstruire la caille, donc pour que demain, si nous sommes capables de continuer de vivre la nouvelle Haïti avec fierté, pour tout le monde capable de saisir pour la qualité que nous avons la caille. Monsieur Molland, la victoire Radio TV plus que remercier et pour sacrifice au bouton que vous consenti pour ensemble avec internautes nous partout dans le monde. Donc quoi que ça fait grand plaisir et vidéo est disponible sur YouTube, sur Instagram, plusieurs groupes de WhatsApp, Facebook. Mais alors en République d'Haïti et où c'est mon là. Donc est-ce que Nancy Mounou ou tes gens ont pressentiment que vous êtes un défenseur en droits humains, qui ça qui poussait au travail dans niveau ça? Bon, ça qui poussait au travail dans niveau ça, c'est parce que moi, c'est monde qui aime mon appel. Et dans la zone côté qui me sorti, moi, fais un pile don. Moi, fais un pile, bah, et me une maman avec papa, j'étais mon l'église, et c'est mon yo qui était toujours à faire social. Et c'est une raison que moi-même, avec l'autre frère, le Junior Molland, donc il est même c'est avocat, actuellement la vie aux États-Unis, nous mettons une association qui est l'association Tonnel Timoun. Nous avons plus de 350 Timoun qui ont aidé, toujours à manger, à boire, à l'école pour eux, donc ça qui n'a pas de famille, nous prenons au côté qui nous aide. Au fur et à mesure, eh bien, situation d'Haïti, puisqu'elle est venue au niveau qu'elle est arrivée, de chaque monde essayer de sauver de tout, ça est une des raisons qui fait qu'on est obligé de retirer qu'on nous, écouter qu'on était à Haïti, peut-être insécurité avec notre problème qui nous a profité. Moi-même, du côté de la République dominicaine, femme du côté des États-Unis, mais nous toujours continuons à travailler, nous continuons à payer les mondes, et c'est l'air trop peine à sonner. Nous montons l'ancien boulanger contre papa nous. Donc, nous parlons aider encore, mais autant de fois que nous vivons sous terre, nous voulons pour nous servir et nous continuons à servir le monde. Très bien, ça veut dire que ces internautes, vous comprennent bien, ensemble avec la Victoire Radio TV. Ou sorti non famille chrétienne et puis c'est pas ou celle qui défenseur en droits humains, il y a plusieurs. Exactement, nous c'est plusieurs. Donc la famille hein, et qui défenseur droits humains. Par exemple, il y a pasteur Sergo Mola et que il y a assemblée de Delma 33 et il y a l'autre station qui le Canara aussi. Donc à Fontaine excellent. Il y a l'école les gars école biblique tout ça donc la travail en tant que le docteur aussi en la psychologie qui a fait un exemple moi gagné et Patrick Molland qui c'est avocat donc a fait un travail très très exemplaire aussi du côté des États-Unis en faveur des peuples haïtiens qui Haïti et ça côté l'autre encore. Très bien, ça, vous voulez saluer quelques camarades de travail avant ou dit qui sont souhaités pour activité cap fait yo et qui sont besoin dans mes communautés. Est-ce qu'on a quelques amis que vous voulez saluer? Pratiquement, je salue ce mois très courageuse, Patricia Nicolas, donc il était déjà là, ça va avec nous. Docteur Camo, homme fort, je salue collègue Théolé, je salue aussi et Madame Vania Antoine, qui a fait un travail très très excellent. Et c'est une femme qui est très courageuse, qui campe comme un bois de fer pour capable mettre fait de chasse au pied. Moi salue Patricio, moi salue Pasteur Sanson, et moi salue aussi tout notre camarade. Si je n'ai pas cité, je ne suis pas capable de finir. Mais pratiquement tous les amis, frères, sœurs, capteurs de moi, tout partout à travers le monde, moi salue nous et c'est un plaisir. Pour que je me fasse passer vraiment, pour nous tous capables d'attendre, pour nous connaître ensemble avec nous. Je ne vais pas blaguer, nous continuer à faire travailler par nous, côté qu'on a fait en dehors du pays, nous même pas aussi, nous continuer à lever le drapeau haïtien beaucoup plus haut, pour nous capables toujours triompher, dans nos seigneurs. Et tant que défenseur en droits humains et même organisateur qui s'en sert pour organiser différentes activités dans le moment ça yo qui ça nous attend de participants yo cap vini mais espérer tout le monde qui a vini y a vini avec des idées positives
Il a fini avec un budget qui répond. Il a porté doléance peuple. Il a dirigé la souffrance qui a pas duré pour que nous soyons capables de chercher une solution durable pour être capables de porter satisfaction à tout le monde. En attendant, il a fait mal pour préparer pour nous tout retourner à la caille. Dis internautes, nous ne connaissons c'est pas seulement les Haïtiens qui ont participé. C'est combien de nations, et plus ou moins, qui ont fait la rencontre ça? Allô? Allô, monsieur Molan? Monsieur Molan, y allez. OK, n'a pas rappelé que nous étions ensemble avec monsieur Molan Jean Wisner qui est un défenseur en droits humains et représentant une organisation internationale et qui travaille dans grand et anti dans Caraïbes là. Donc c'est très bien ça, nous pensons que était très rassasié de certaines informations. Et c'est un monde qui n'a pas gagné très souvent lorsqu'il est capable sur la victoire Radio TV pour le capable d'intervenir. Donc vidéo ça c'est juste pour capable faire un peu de motivation avec une série d'activités que organisation humanitaire communauté haïtienne dans la République d'Haïti République dominicaine mettait sous pied pour capable sensibiliser les nations, un peuple à face avec problème qu'il a confronté. Il y a plusieurs pays là-dedans, assurément, et pas seulement haïtien. Donc déjà, il y a peut-être tout le monde qui est invité dans chaque vraiment activité ça pour réussir, capable de passer très très bien. C'est un plaisir pour nous t'étendre, Madame Patricia, Dr Wilson, et puis et pour nous t'étendre, Monsieur Morland, Jean Wisner. Donc, en long et en large, nous avons des informations. N'a pas oublier pour partager, ou capable like, pour capable abonner. La Victoire Radio TV, c'est Radio Pau. N'importe sujet, n'importe thème, donc ou capable là pour faire des interviews. Donc, nous toujours intéressés pour internautes nous sommes capables de connaître certaines informations de plusieurs cadres que nous avons fonctionné ici en République dominicaine et dans le monde tout, parce que si tout pour République dominicaine, en plus le monde, les autant des Haïtiens, ils pensaient que c'est la même génération longtemps qui toujours existait. Non. Petit, ils existaient, ils ont fait un pile de bagages extraordinaires dans toute boîte à travers la République dominicaine à travail. Et même lorsqu'on a de tout problème créé comme ça, eh bien, si quatre Haïtiens n'ont pas là dans série de boîtes, eh bien, il y a un grand pète en République dominicaine. Donc, nous souhaitons quand bien même tout effort qu'on a fait, ils sont capables de porter de très bons résultats. Pas pour empirer les choses, mais pour capable porter des solutions. Donc, tout le monde a contribué, ambassade, etc., et organisation nationale, internationale, organisation humanitaire, et droits humains qui défendent les Haïtiens. Donc, très bien, à travers le monde, dans tout pays, ça nous reconnaît, ça nous pas reconnaît. Bravo. Et nous-mêmes, la Victoire Radio TV, c'est ça que nous avons fait, recueillir certaines informations et puis faire que internautes, yo capable de vivre li. Merci pour même qui tape écouter dans moment ça qui pral écouter dans l'autre moment. Donc son devoir que nous gagne pour nous capable ensemble pour nous desservir. Pour servir c'était émetteur en notre nom Jephté Raymond et puis le plus petit serviteur votre serviteur pasteur Raymond Jean-Louis cap diou babaye yon l'autre en vidéo et à la prochaine n'appela ensemble. Changer ça.